bonjour patron. Quoi de neuf aujourd'hui? Rien de spécial, j'ai chargé la cassette et le dossier est sur votre bureau. Très bien. Ah, patron. Ouais. Vous n'oubliez rien? Putain, j'ai pas ma tête. Attends. C'est quoi là, ce gag foireux? Non, mais c'est... Avec Patricia, on a inversé les rôles pour le début, c'est marrant, non? Ah, ouais, t'as pas peur que ce soit trop drôle? Ça vous fait pas marrer? Ah, si, moi je hurle de rire, hein, mais là ça se voit pas parce que c'est intérieur. Ah. Bon, qu'est-ce que vous foutez là d'abord? Je vous signale que j'ai même pas encore choisi vos photos. Attends, parce que tu crois qu'il y a encore un suspense? Tu vas choisir qui est par nous? Schwarzenegger? Marrez-vous les mecs. Ouais. Je vous signale que sur la place de Paris, il y a des dizaines de comédiens qui rêvent de travailler avec moi. Te gêne pas? Je me gêne. Je me gêne. Allez, à tout à l'heure. Oh, il a pris la tête. Oh là. Ceci dit, c'est vrai qu'il est plutôt mignon comme ça, Rambini. Enfin. Bon, les gars, vous savez pourquoi je vous ai convoqué? Ben oui, parce que Stallone n'était pas libre. Pas du tout. Je vous ai convoqué pour vérifier la pub Hollywood Chewing Gum. Ouais. Et puis on va vérifier quoi ce coup-ci? Hein? Je sais pas, moi, on va vérifier si on peut monter un cheval en mangeant des chewing gum sans se moindre la langue, un truc comme ça. C'est intéressant, t'as tout du cul. Et t'as prévu de me faire bouffer quoi là, dans cet épisode? Hein, du crottin, du foin? Réponds, petit enculé. Réponds! Tous à la baffe immobile. Oui, on va y aller à la baffe immobile. Allez. Je me sens bien, cet épisode. Ça change, hein, les gars. Allez, hop. C'est vrai qu'il était plutôt mignon comme ça, bien. Spécial, c'est qu'à prendre un bourrin, un paquet de chewing-gum, on y va? Bah on y va! Oui, on y va! Et puis tout de suite, on y va. Tu passes devant! Oh! Oh, joli nom. Bonjour! Oh, c'est pour moi! Ah, c'est pour moi, ça. Oui. Un vieux cheval de retour. Allez, viens, Raymond! Viens ma fille, viens. Allez, ouais, viens, on va faire l'écarissage, viens, n'aie pas peur. Oh, c'est bon. Bon, Étienne, tu prends un cheval? Non, mais tu plaisantes. Tu crois-tu même pas que je vais monter n'importe quel carne dégénéré, non? J'ai amené Mouloud 2, figure-toi. Mouloud 2? Oui, oui, mon cœur sans arabe. C'est là. Allez, viens. Bon, Didier, qu'est-ce que tu fous, bordel? Oh, pardon. J'arrive. Pascal? Pascal! Allez, partez devant là, j'arrive. Bon, allez, à cheval! Allez, tiens! Dis-moi Didier, t'es sûr que t'es déjà monté toi? Tu rigoles, et j'ai fait 4 ans de manège. Ah oui? Où ça? Au parc Monceau. Ah oui, oui. Allez, chaudhomme. Oh, mais t'es pas mal toi. Eh bien si. Allez, viens. Allez. Viens, je vais te faire visiter la cuisine. Bien, je te dis. Allez, allez. Allez. Tenez, chaudhomme. Didier! Mange ton chewing-gum, Didier! Ton chewing-gum! C'est Laurent. Oui. Viens. Tu sais quoi? Ouais. Ça me rappelle mon enfance. Ah ouais. Un jour au château, l'hiver était particulièrement rude. Le gibier manquait. Alors mon père a lâché tous nos gens dans la campagne. Et alors? Eh ben quand la meute a bouffé la bonne, elle était moins fière, cette salope.
T'as des beaux souvenirs, toi. Anecdote toujours importante. Hey, viens. Oh, bonne idée. Moi aussi, j'ai envie de faire caca. T'es bonne, toi. Hein? Tu veux faire un petit tour? Hey. Formidable, Laurent. Épatant. Oh non, il y a quelqu'un. Ouais. Oh, bah écoute, tu vas pas nous chier une pendule pour trois gouttes, mon vieux, aussi, hein. Faut être raisonnable, allez. Au revoir, Ben. Bouge pas, c'est dur pour moi aussi, tu sais. Toi, c'est un bon choix, les mecs. Pierre Loyal est courageux. Jamais j'en trouverai un comme ça. Sois courageux. S'il était blessé, il n'y avait pas d'autre solution. Tu n'as rien à te reprocher, vieux. Absolument rien. Il n'était pas blessé. Gros là ! Mais alors, pourquoi tu l'as tué ? Je sais pas, dans tous les westerns, et pour ça, je croyais que c'était la couture. Oh non. On va aller les mecs, on remballe les gouttes. On se tire. Pascal. Ouais. Alors dépêche-toi. Monte. Eh ben c'est Monsieur Hollywood Chewing-Gum qui va être content. Ouais, pourquoi hein? Parce que le rapport est favorable. Bah oui, quand on l'a essayé, on a mangé des chewing-gum, on a galopé, ça marche. C'est passionnant, c'est absolument passionnant. Ça va intéresser qui? Je sais pas, moi, c'est du monde à cheval. Tu t'as quand même trouvé le moyen de me faire bouffer. Un cheval, un poulet et une pute. Puisqu'on est à l'heure des bureaux. Je me suis fait défoncer par un cheval. Le trou était fait, Didier. Oui, mais n'empêche que j'ai fait 2 heures de trou sur la plaie. Et pour finir, Étienne m'a fait pipi dessus. Et j'ai aimé ça, j'ai aimé. Bordel, les mecs, c'était dans le script. Absolument. Mais tiens, aussi, c'est dans le script. Regarde, Laurent se fait bourrer la gueule par les PVC. Oh, c'est pas du bronze, en plus. C'est même écrit à grands coups de latte dans les couilles. Je peux venir aussi? Oh putain, les mecs, la semaine prochaine, on recommence comme avant. N'empêche qu'il était plutôt mignon, hein, comme ça, habillé en bunny. Enfin bon. Non. Du gros temps, du foin.